Calmez-vous, je ne voulais pas vous effrayer. Ah, mon père, ayez pitié de moi. Vous êtes ici pour une confession ? Alors, venez. À quelle date remonte votre dernière confession ? Oh, désormais, je ne me soucie plus de mon destin. Ayant enfreint et la loi de Dieu et la loi des hommes, il faut que je sois condamné. Je suis prêt à mourir. Maintenant, il faut me raconter. Oh, je n'ai qu'un désir. Accéder au repos éternel. Je vous écoute, mon fils. Il est clair que votre accession au poste de cadre dans notre firme à un âge aussi jeune vous occasionnera un gros travail, autant vous le dire. Y a-t-il un point qui soit à revoir ici, selon vous ? Oh, il y en a un, en effet. Un petit détail qui m'a empêché de décrocher certains contrats intéressants. Que les cigares ne soient réservés qu'aux hommes. Toutes mes félicitations. Merci. Viens ici, coquin. Joli coquin. Ah, je te tiens. Oh, qu'il est coquin, ce chien. Bonjour, le chien. Quelle idée de me faire une peur pareille. Excuse-moi, chérie, je n'avais pas l'intention. Qu'est-ce qui va pas ? Oh, rien, j'ai juste mal au crâne, c'est tout. Tu as eu des problèmes au bureau ou quoi ? Non, ça va, c'est autre chose. Bon, je sais pas ce que j'ai, je pensais à notre avenir. On évolue, quoi, je croyais pas avoir un costume sérieux. Alors que j'en possède plusieurs, même. Chérie. Non, au fond, ça m'embête. Tu vois, passer du bleu d'usine aux trois pièces bon chic bon genre, c'est dur. Ah, moi, je suis sûre que tu t'y feras. D'autant plus que tu es très séduisant comme ça. Tiens, regarde. Main douce. Je n'ai plus des mains de travailleur, je suis un bourgeois.
Au fond, j'ai pas bien tourné. Je me sentirais pas à ma place si je devais affronter les ouvriers de la boîte, voire les syndicats. Mais oui, mon chéri, je comprends que tu aies des regrets. C'est bien naturel, mais maintenant, ça va aller. Crois-moi, j'en suis certaine. Non, mais j'ai fait aujourd'hui un seul truc concret. Tu sais quoi? C'était mettre un filtre dans le distributeur à café. Alors, c'est pas drôle. Moi, je suis pas fait pour ça, Linda. J'aimerais bien mieux rentrer épuisé par 8 heures de boulot. Mais tu n'as qu'à le faire. Quoi? Il faut retourner faire ce que tu faisais puisque tu penses que c'est mieux. Jerry, tu n'as qu'à appeler Brian. Je suis sûre qu'il pourra se débrouiller tout seul au bureau. À mon avis, c'est en étant spontané qu'on réussit sa vie. Ça marchera pas, c'est impossible. Parce que tu sais, si c'est trop spontané, j'ai horreur de ça. Amour? Eh oui, enfin, peut-être qu'il y a des exceptions, je dis pas. Et ton mal de crâne, ça s'arrange? Oh non, ça dure. Mais pour le reste, ça va. Alors, la brute, on dit pas bonjour. Y a personne ici ou bien ça dort encore? Où, Linda? Jerry? Oh, oh! Surtout qu'il dit rien. Y a personne? Salut, vieux. Salut, Jerry. Ah, vous me dites hein, si je tombe mal. Oh, tu sais, maintenant qu'on est mariés, ça n'a pas vraiment d'importance. Bon, souffler ou pas souffler? That is the question. Ah, oh, oui, bien sûr. Quoi? Notre leçon de cuisine. Ben oui, c'est qu'il faut passer chez un cours. Aujourd'hui, on étudie les entremets à base de crème et d'œufs en neige. 7h10. C'est curieux, ça fait 2 ans que tu suis des cours de gastronomie et tu ne fais jamais rien pour nous. Ah, mais je tiens à me perfectionner. Ah. Mais dès que ça va être au point, je t'assure qu'on mangera des trucs super. Ah, il va uniquement pour draguer les filles. Oui, mais alors en tout cas, je sélectionne les filles. Bonne cuisinière. Hein? T'es prête? Non, Jerry et moi, on voulait plutôt sortir pour fêter quelque chose. Ah oui, on fête quoi? Ma glorieuse promotion. Chérie, ça c'est une nouvelle. Et dire que j'avais un moral à zéro, t'aurais pu me le dire. Oh, d'accord. Alors ce soir, c'est vous qui régalez. And when you hear the laughter right after the rain, listen to the happiness, think of me again, have thoughts of me when nature's in the air, and the smell of life is everywhere. Just think of me and I'll be there. Just think of me. Please think of me. Je préfère aussi cette boîte. Mais ça fait des mois qu'on n'y venait plus, on ne sait pas pourquoi. Vous étiez parti en voyage? Oh non, mais seulement avant, on était à côté. Nous habitons maintenant à Devlin Island. Devlin Island, c'est après le Cap, je crois. Ah oui, c'est ça. Alors je me suis souvent dit, qui pourrait bien habiter Devlin Island? Oh, des gens, tout ce qu'il y a de bien, nous. Je me présente. Moi, c'est Joss. Et voici ma femme, Debbie. Et moi, Jerry. Et voici ma femme, Linda. Bonjour. Lui, c'est notre... Et t'es quoi, au fait, pour nous? Je me considère très modestement comme votre ami incontournable. Lui, c'est Slater. Oh, ça m'intéresse. Parlez-nous de l'île. Que dire de notre île? On n'est pas très nombreux. À mon goût, ça suffit. Mais il y a plutôt des couples plus vieux que nous habitant là depuis des générations. Nous, on s'y plaît réellement. Moi, je pense même y rester pour toute notre vie. Dans la construction, vous croyez que vous pourrez y trouver du travail? Et Jerry est entrepreneur. Ils font appel à des gens de la ville. Moi, je suis allé à Devlin Island quand j'avais 9 ou 10 ans. J'y ai attrapé une fameuse crise d'urticaire, je vous le dis, partout, y compris là où je pense. Je vous fais un dessin, non? Non, non, non. C'est sûrement un excellent investissement. Les terrains n'y sont pas chers. But when you see the world through tear-filled eyes. Tu les trouves comment, toi? Ils ont l'air très gentils.
Ah, dis donc, encore heureux, il manquerait plus qu'il morde. Tu te souviens de la fiesta à la soirée où il y avait la musique de West Side Story? Mais non, Chorus Line. Ah. Et t'as oublié peut-être un détail, mais tu m'as embrassé. Et un baiser qui comptera dans ma vie. Qui sait, j'ai passé l'âge où ce genre de phrase fait craquer. And when you taste the salt of your own tear, don't think of me. Please, don't think of me. Just remember the good times. Bon, allez, salut la compagnie, je rentre, moi j'ai sommeil. Et surtout, faites attention, vous êtes bien sages. Merci pour la danse. Salut Slater. Chérie, ça va t'étonner, figure-toi. Joss et Debbie se passionnent pour un patelin près de chez eux. Et comment ça s'appelle déjà? Baykov. Ah oui, c'est une communauté qui vit à la pointe sud de l'île. Si vous cherchez une maison... Vous savez, moi je travaille dans le centre, alors une île, c'est pas tellement... Mais on travaille aussi dans le centre, c'est... Au fond, on s'arrange bien. Au début, on avait un peu peur que ça complique les choses, mais le ferry, c'est rien, ça prend à peine 25 minutes. 25 minutes? Mais il y a la question des courses. Finalement, c'est une question d'organisation, on s'y fait très rapidement. Autre avantage, c'est pratique pour la ligne, vu qu'on saute l'heure du déjeuner. Oh, ça change complètement. C'est une vie où on retrouve la sérénité. Il faut le voir pour le croire. Bien, on viendra acheter un coup d'œil. Attendez, je dois avoir une carte de visite de l'agent immobilier. Ah oui, il s'appelle Bob Holden. Je sais qu'il a une maison à vendre. On serait ravis d'avoir un jeune couple comme voisin. Au moins, essayez d'aller voir ce type. Rien de me parler d'une maison de rêve. Moi, je me trouve très bien où on est. Tu t'y plais vraiment? Et sans compter que c'est pas cher. C'est ridicule. Alors que moi, je suis justement dans le bâtiment, que j'entends tout le monde parler sans arrêt de plus-value, de fabuleux placement, eh bien, on paye un loyer impossible à des exploiteurs. Madame Danielle, c'est tout à fait correct. Linda, on n'est plus des étudiants tous les deux. Il est temps de vivre en adulte et d'investir dans une maison. Ah oui, d'accord, mais de là à aller sur une île se couper du reste du monde, moi, j'ai toujours vécu ici. J'y suis très à l'aise, j'ai aucune envie de changer. Est-ce que tu peux penser aux enfants? Ils sont bien plus heureux à jouer au pot rouge en pleine nature, au moyen de la place. Nous n'avons pas d'enfants, figure-toi. Pas d'enfants, non? Ben, dans une ville polluée comme ça, je te dirais qu'avoir des enfants, c'est pas... Oh, je suis fatiguée. Alors, tu veux une descendance, d'accord, mais l'écologie, c'est démodé. Linda, c'est pas mal d'avoir des enfants quand on est un couple. Il y a une clause locative. La propriétaire est une dame charmante dont le mari est mort récemment. Elle habite cette maison depuis une éternité et elle est trop âgée pour envisager de déménager. Oh, je suis hésitante, monsieur Holden. Ça a l'air d'être assez... Il y a une petite maison derrière, avec cuisine, salle de bain, entrée, ce qui lui permettrait d'être autonome. Non, ce n'est pas tout à fait ce qu'on imaginait. Mais c'est pourtant une affaire qu'il faut saisir. C'est unique pour des jeunes. Ben, voyez-vous-même. Un tel charme, une vraie maison avec des arbres. Excusez ma franchise, mais je doute que vous puissiez trouver dans vos prix une maison qui ait ce charme. Avec terrain, vue sur l'océan, c'est inespéré. Qu'en dis-tu? Le mieux, c'est d'y aller, d'accord? Disons demain matin. Frapper,
du 19e siècle, la plupart des habitants de l'île sont partis sur le continent. Il ne reste plus qu'une douzaine d'habitants qui vivent repliés sur eux-mêmes. C'est ici? Oui. C'est magnifique. Et le terrain fait plus d'un hectare, assez pour se perdre. Monsieur Lebon, quel plaisir. Enchantée, madame. Et vous devez être madame Lebon? Oui. Monsieur Holden, du reste, m'a beaucoup parlé de vous. C'est moi qui loue. Béatrice Gover. Madame Gover. Venez. Il faut que je vous fasse les honneurs. Elle va vous plaire, j'en suis sûre. Pour moi, c'est devenu trop vaste. Georges est mort en juin. Oh, il est hélas évident que je ne peux pas entretenir seule une telle maison. Elle a été construite en 1793 par l'arrière-grand-père de mon pauvre mari. Elle appartient à la famille Gover depuis des générations. Mais oui, la communauté de Bekov remonte à plus de 3 siècles. La plupart des familles d'origine y ont encore des descendants. C'est de la belle construction, j'ai pas vu ça depuis des années. Vous savez travailler en ce temps-là? J'ai vendu une maison moderne il y a une quinzaine. Ça n'avait pas le dixième du charme de celle-ci, ça valait le double. Toute la plomberie est en cuivre et date du début du siècle. En cuivre? Dites-moi. La chambre à coucher est au premier, elle va vous plaire. Mon mari raffolait des vieux livres. Celui-ci était l'un de ses préférés. Oh, j'avais un merveilleux lit immense. À baldaquin. Je l'avais reçu comme cadeau de mariage de nos grands-parents. Mais ma fille unique est morte à l'âge de 7 ans et je n'avais pas d'autres descendants qu'elle le laissait. Madame Gover a dû vendre tous les meubles. Tout, c'était très ancien. Des meubles de famille qui étaient là depuis longtemps. Il m'en a coûté de devoir m'en séparer. Et c'est ici que je vais donc m'installer. J'y ai déjà mis les affaires. C'est très agréable. Oh, c'est bien assez vaste pour moi. Vous y serez sûrement très bien. Oh, je vais aller faire du thé. Et cette porte, elle donne sur quoi? Ça mène juste vers la cave. Je vous prie de m'excuser, peut-on y aller? Attention aux marches. Oui. Parce que même après, c'est noir. Je vais mettre la lumière, attendez. Merci. Les poutres sont en bon état. C'était l'atelier de Georges. Il passait des heures à réaliser des maquettes de bateaux. Mais il m'interdisait d'approcher et je n'ose toujours pas trop, je dois l'avouer. Je pense qu'il y a la clé quelque part. Attendez, je dois la trouver. Merci. Regardez par ici, attendez. Oh, c'est très solide comme construction. Il n'y a pas de trou à la serrure. Jerry et moi marchions un peu. Bien entendu, prenez votre temps. Alors, c'est fantastique, non? Oui, c'est fantastique, mais... Il faut signer tout de suite. Écoute, Jerry, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, toi qui refuses les décisions soudaines? Moi, je dis que ça va nécessiter des travaux. Mais il ne faut pas hésiter, ça. Alors, travailler à une maison pour nous, de mes mains, c'est fantastique. Écoute, on va faire un placement, c'est parfait pour nous. Non? Mais on est en droit d'exiger un rabais. Puisqu'elle reste sur une partie du terrain, il faut qu'elle fasse une location-vente pour qu'on puisse avoir un dégrèvement fiscal pendant 5 ans. Et puis ensuite, acheter en viager. Disons une partie en paiement comptant et des mensualités à vie. Mais vous êtes une femme de foi. Qu'est-ce qu'on va décider? Au fond, elle est belle, cette maison. Et je crois que mon mari en a très envie. Et moi, tout ce qui compte, c'est de lui faire plaisir. Ah.
Nous avons décidé. C'est oui. Félicitations. C'est une bonne décision. Merci beaucoup. Un mois de congé. Il faudra au moins ça pour te ranger. C'est un add-bon, c'est déjà sympa que Wesley m'ait donné 8 jours. Ouais, avec tout le fourbi qu'il y a. Il y en a la moitié qui est à toi. Sans compter que c'est toi qui ne veux rien acheter, pas moi. Tu gardes tout un tas de trucs inutiles, tu peux parler. Ah non, je proteste, c'est pas une preuve, ça. Ah, mes cartes de baseball, objection, votre honneur. T'y as jeté un coup d'œil, c'est ainsi. Elles sont presque moisies, si tu veux jeter les trucs inutiles. Ah non, pas mes cartes, t'es malade, tu ferais pas ça, tu sais que j'y tiens. Ça m'a assez pris de temps de réunir ces fiches, t'es pour être de Red Sox, ça serait vraiment un sacrilège de bazarder ça. Dis-moi juste un nom et je peux te dire son score complet. Steady Eddie Winwood en 64 alors. Steady Eddie Winwood pour l'année 64, voyant sa moyenne de 279, il a réussi 142 points. 17 essais, 78 réceptions, tu es d'accord? D'accord, acquitté. J'ai droit à quoi? Et tu sais pourquoi on l'avait surnommé Eddie qui assure? On n'arrivera jamais à tout déballer, moi je te le dis. Chut. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer ici. Oh, c'est certainement la propriétaire. Oui, c'est très gentil à elle de venir, seulement il serait temps qu'elle comprenne qu'elle n'est plus chez elle. Oh, ma chère, nous ne voulions pas vous terroriser. Nous apportions un cadeau de bienvenue en voisin. Oh, merci, c'est très gentil à vous. Je m'appelle Linda. La grille était ouverte, nous avons pensé que... J'ai oublié, Nick. Vu son âge, je doute qu'elle fasse un infarctus, rassure-toi. Je suis Mattie Klein. Elle, c'est Cléopâtre. Mon époux, Nicolas. Mais on l'appelle Nick. Et moi, Mattie. Nous habitons juste à côté. Oh, enchanté, moi c'est Jerry. Enchanté. Nous avons entendu parler de vous deux. Je suis sûr que vous allez vous plaire à Baycove. C'est déjà le cas. Oh, si nous allions voir comment vous allez arranger la maison, Linda. Ah, volontiers, oui. Jerry, tenez, voilà un guide très bien sur Devlin Island. Il y a tout l'historique de l'île. Il y a, oui, j'ai mis des signets à plusieurs pages. Les pages qui, je crois, vous passionneront. Ah, merci, c'est gentil de vous être donné tous mal. Oh, c'est rien du tout. Et puis, à charge de revanche, en tant voisin, on peut s'entraider. Nick et moi avons toujours eu le projet de changer la décoration chez nous. Mais vous connaissez les hommes, ils ont leurs habitudes. Et je déteste changer de décor. C'est le cas aussi de certaines femmes. Et depuis quand résidez-vous à Baycove, tous les deux? Oh, mon Dieu, c'est déjà vieux. Attendez, nous avons emménagé 3 semaines après notre mariage. Mais ça me fait penser d'ailleurs que nous fêtons notre anniversaire ce mois-ci et vous êtes invités. Oh. Nous pensions vous le dire pour la crémaillère. On attend tous votre pendaison de crémaillère. Vous avez certainement l'intention d'en faire une. C'est l'usage dans l'île. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en, tu as compris, c'est défendu. Je ne veux pas d'animaux ici. Allez, va-t'en. Allez, allez. Foufoune. Viens, mon trésor. Oh, vous auriez dû me dire que vous aviez un chien. Allez, calme-toi, c'est rien. Mais qu'est-ce qui te prend, voyons? C'est curieux, il n'a jamais fait ça. Foufoune. Bon, nous vous laissons. Au revoir. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Oh, merci, nous aussi. On n'a pas dû leur faire excellente impression, hein, ces voisins? On a dû les étonner, ils sont sûrement un peu popotes. Mais on n'est pas étranges. Ça s'arrangera la prochaine fois. Moi, en tout cas, je te trouve gentille. Ah oui, sans plus.
Boone. Oh, tu m'as fait peur. Je t'ai déjà fait faire ta promenade. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas de chien dans l'île. Oh, Foufoune s'est juste disputé avec Cléopâtre, excusez-moi, Nick. Foufoune, mais qu'est-ce qui te prend? Excusez-le. Eh bien, on rentre chez nous. Maintenant, on rentre à la maison. Alors, il est sorti furieux sur le seuil de leur maison et il m'a sermonné en me rappelant que les chiens sont interdits. Je trouve les Kleins un peu bizarres, moi. Ah, alors vous êtes comme moi. Et ce vieillard toujours assis dans le grenier? Oh, il est sinistre, c'est vrai. Et il a au moins 100 ans. Ça doit être le père d'un des deux. Joss a beau dire que c'est moi qui ai trop d'imagination, je vous assure que les Kleins ne sont pas les seuls à être bizarroïdes. Mais c'est curieux. Je dois dire que cette nuit, j'ai entendu une chose étrange pendant que je promenais Foufoune. Comme une sorte de complainte. Un chant? Oui. C'est peut-être le vent, non? Possible. Oh, c'est très intéressant. C'est là qu'a eu lieu la dernière exécution pour sorcellerie. Un dénommé Lucas Nobel, il fut brûlé en l'an 1722. Et il y a son portrait. Ils indiquent où était le bûcher? Exactement. Oui, c'est bien lui. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Lucas Nobel, la dernière personne qui fut exécutée pour sorcellerie à Beethoven. Les autres membres de leur cabale ne furent jamais identifiés. Ah oui, j'ai compris, regardez. Vous retirez le N de Coven et vous avez Cove. Beethoven, autrefois c'était Beethoven. Ça signifie quoi, Coven? Ah, c'est ça, ça signifie cabale ou bien secte. En anglais, une réunion de sorcellerie. Est-ce qu'il parle de l'église dans le bouquin? Oui, vous tombez bien. Les puritains firent édifier cette église en 1700. Écoutez ça, ils moururent tous d'une maladie inconnue à 15 jours d'intervalle. Eh ben, dis donc. Hé, Jerry, viens voir ça. Qu'est-ce que c'est? Melissa Gower, 1734-1741. Ça doit être une ancêtre de Béatrice. Il a dit que sa famille habitait là depuis des générations. Elle est morte à 7 ans, pauvre petite. Oh, c'était déjà une veine d'atteindre 20 ans, il y a 2 siècles au moins jeune. Dites, on ferait pas de vieux os ici. C'est impressionnant, allons-nous-en. Et
disent que les écuries ont été transformées et sont devenues le grand magasin du début du siècle. Ouais, les anciennes écuries, c'est là qu'ils ont brûlé le type. Ah, ça doit être ça. Je crois, oui. Il y a qu'à vérifier. Ah, d'accord. Oh, il y a quelqu'un? Alors, on suit les hommes? Qu'est-ce que t'as? C'est rien. Il n'a pas l'air de vouloir entrer. Oh, c'est pas grave, donne. Je vais attacher dehors. Allez, viens. On obéit. Viens vite. Pétissant. Bonjour. C'est quoi ça? Vous permettez que je jette un coup d'œil? J'ai l'impression qu'il a laissé sa langue dans le bocal. Hey, regardez ce machin. Hey. Oula. $2 moins cher qu'à Boston. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? C'est peut-être en bas. On n'a qu'à aller voir. Bah d'accord, on y va. Hey. Oh. Où vous allez encore? Allez, venez voir, venez voir. Interdit de descendre. On part, Linda, la visite a assez duré. Allons-y, on s'en va, il n'y a plus rien à voir ici. Ah, c'est bien. Moi, j'adore avoir peur. C'est ça, les histoires de sorcellerie? Oh, c'était pas si terrifiant que ça. Foufoune? 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 Qu'est-ce qui se passe? Il a disparu. Oh, ici, il risque pas d'aller loin. Foufoune! 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 Yeah. Foufoune! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est votre chien. Il est... Comment c'est arrivé? Ah, il voulait coincer Cléopâtre, il est passé très vite, j'étais en jeep, j'ai essayé de crier, enfin, ça me désole, mais il est... Oh, ma chère petite, c'est triste, mais ça a été si vite, il n'a pas eu le temps de souffrir. Monsieur. Est-ce que Linda est ici? Elle fait la sieste. Ne la troublez surtout pas. Oui, mais si je suis là, c'est parce que Linda m'a appelé. Elle m'a raconté comment leur petit chien était tué. Linda? Linda? Je vous ai dit de ne pas la déranger. Slater,
Linda! Oh mon Dieu, vite! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, d'accord, c'est spacieux, mais tu me connais, je suis allergique à l'air pur. Tu m'as manqué. Bon, qu'est-ce qui se passe alors? Il y a une raison pour que tu me fasses faire tout ce voyage, non? Oui, mais tu m'as manqué plus que je n'aurais cru. Ici, personne à qui parler, alors je craque. Bon, corrige-moi si je fais une erreur, mais t'es mariée avec ce type-là. Comment il s'appelle déjà? Jerry. Ouais, mais il est distant et ça date de la mort de Foufoune. Je crois que ça l'a impressionné plus qu'il ne le reconnaît. Et t'as besoin d'un dragon à l'entrée? Ah, c'est Béatrice. Elle est assez inquiétante. Ah ouais? Slater, je suis sûre que tu vas m'écouter. Dans ce pays, tout le monde est très bizarre. Les voisins parlent d'une façon bizarre. Ah oui, on dirait un film d'horreur. Je suis allée en voir un hier soir. C'est l'histoire d'une fille qui emménage dans un nouvel appartement. Elle se rend compte que sa voisine de palier n'est pas claire. Je t'assure, ils sont carrément bizarres. Bizarres? Je t'assure. Oui. Et tu trouves que c'est une bonne idée de vouloir convaincre un grand sceptique comme moi? Tu sais, je croyais plus aux fées ni au Père Noël quand j'étais à la maternelle, moi. Alors, bon, tu vois... alors tu veux des preuves? Tu veux que je te montre? Très bien, je vais te montrer. Il y a un très vieux monsieur qui a l'air centenaire et qui est toujours assis là-haut comme mort. Tu vois, c'est affreux. Ça, déjà, c'est très étrange. Il ne semble jamais bouger. Mais il n'est pas plutôt invisible? Ou alors, il a la fièvre des îles? C'est une maladie incurable. Oh, mais je suis sérieuse. Le comportement des gens n'est pas naturel. Crois-moi, ici, j'ai vu des choses curieuses. Mais dis donc, c'est vrai que tu as l'air inquiet, toi. Ah, pardon, excuse-moi. Écoute, tu peux toujours revenir habiter en ville. Non, plus maintenant. Jerry dira non, il se plaît ici. Tu verrais ça, il est tellement heureux. Il dit que je me fais des idées. Il ne croit pas ce que je lui raconte. Donc, j'ai voulu te voir, te parler à toi. Parce qu'avec toi, j'ai toujours pu parler. Salut, Slater. Tout va bien? Salut, Jerry. Linda, tu sais qu'on a du travail, c'est notre crémaillère ce soir. 7 heures, on a affaire. Et viens, tu m'en veux pas, surtout. Oh non, mais comme ça, moi, je veux faire le tour de votre île que je connais pas. Et je reviendrai à temps pour la fiesta. C'est ça. Oh, à tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui te prend avec Slater? Il a fait tout le voyage pour nous et tu le laisses. Puisqu'il sera là pour la fiesta, comme il dit. Mais depuis quand tu aimes les réceptions, toi? Des voisins embêtants comme la pluie. Linda, tu es folle. Ne parle pas si fort, s'il te plaît. Tu es vraiment pas juste envers eux. Ils ne savent pas quoi faire pour nous faire plaisir. Franchement, on n'avait pas ça en ville. Des voisins aimables, serviables, c'est plus agréable, non? Trop serviables. Ça s'appelle plutôt envahissant. Je m'en passerais, moi, d'avoir Béatrice qui surveille tout ce qui se passe. Elle voulait interdire à Slater de venir à la maison tout à l'heure. Non, mais enfin, elle a un problème. Non, personne n'a de problème, Linda. J'ai une bonne nouvelle. Je voulais te faire la surprise ce soir, mais je pense qu'il est préférable que je t'en parle maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ça y est, j'ai vendu. Quoi? J'ai vendu l'affaire. J'en avais assez, cette vie ne me convenait pas. Et notre installation ici a été le déclic. Mais Jerry, tu exagères, tu as pris une pareille décision comme ça? Enfin, tu crois pas qu'on aurait pu en parler? J'ai voulu que tu aies la surprise, quoi. Ah, oui, c'est fait. C'est réussi. Brian a eu la réponse définitive jeudi d'un type qui avait fait une offre. Et pourtant, c'est toi qui voulais te mettre à ton compte. Non, en fait, j'étais plus esclave qu'avant avec cette affaire. Maintenant, on a une maison, un home. On va en profiter, enfin. Excusez-moi, je... Qu'est-ce que vous faites là? Personne ne vient dans l'arrière-boutique. Oh, je suis désolée. Je voulais seulement savoir si vous n'en aviez que des noirs. J'aurais préféré rose ou...
J'arrive juste à poids, j'ai besoin d'aide. Ta visite de l'île t'a plu? Ah oui, je crois que je suis très bien renseignée sur l'île, excepté un détail. Quoi? Tiens, hache. Voilà, où est-ce qu'ils peuvent mettre leur mort ici? L'air étant bon, je veux bien qu'on meure vieux, mais de là, est-ce qu'il n'y ait pas un seul décès? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, j'ai passé l'après-midi à tenter d'élucider cette énigme. Figure-toi qu'il n'y a qu'une seule tombe sur l'île, à croire qu'il n'est mort personne depuis 1783. Donc, tu commences à me croire? Bonjour. Comment tu t'appelles? Il n'y a pas de quoi être intimidé. Mon nom à moi, c'est Linda, et lui, c'est mon ami Slater. Bonjour. Linda, il faut qu'on parle tous les deux. Linda, tu viens, on attend de toi, là. Mais j'arrive. Dépêche. On parlera. Sois gentil, prends le plat. Bien. Et pourrais-je vous faire un petit speech? Merci. Jay, Linda, nous tenons à vous remercier de votre invitation et nous en profiterons pour vous dire notre joie à tous de vous avoir à Bay Cove. Et puisque nous formons une communauté amicale, je suis persuadé que vous aurez à cœur d'en faire partie et en constaterez l'unité. Et j'ajoute encore un petit mot afin de vous souhaiter sincèrement à tous deux une vie de bonheur et de prospérité. Pour la vie. À vous deux. Merci. Merci infiniment, merci. Bon, je ne ferai pas un discours, mais je tiens à dire que nous nous sentons vraiment des vôtres. N'est-ce pas, chérie? Oui. Bon, j'y vais. Téléphone, chérie. Merci. Béatrice a le secret de cette boisson. Qu'est-ce que tu sais sur la dame en question? Bien peu de choses. Qu'elle est veuve, que c'est assez récent et... Ouais. Et où est-ce qu'il est passé, son homme? Mais tu sais, ça m'intrigue, ça j'ai l'intention d'étudier ça. Slater, téléphone, c'est pour toi. Excuse-moi. Cette tapisserie illustre toute l'histoire de Bay Cove. Naissance, mort, tout. Elle a plus de 300 ans. Oh, c'est très joli. Vous savez en fait? Non, j'y connais rien. Nous ferons votre éducation. Ça n'a rien de sorcier, le point de croix. C'est très amusant. Je n'ai aucun don pour ce genre de choses. Bonjour. Tu t'appelles bien Edward? Tu as quelque chose pour moi? Oh, c'est un cadeau de bienvenue. C'est vilain de jouer avec des petits oiseaux morts, tu sais. Va plutôt enterrer cette petite bête quelque part. Linda, t'as vu mon écharpe? Non, pourquoi? Mais tu pars déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère, on l'a conduite à l'hôpital. Encore? Oui, l'hôpital a dû avoir votre numéro sur mon répondeur. Oh, je parie que ça va, elle doit en rajouter, seulement il faut que j'y aille. Moi. Il faut que tu prennes le ferry dans 5 minutes. Nick, est-ce que Slater peut emprunter votre jeep? Oui, bien sûr, les clés sont dessus. Merci. Allons-y. Merci. Non, je vous en prie. Et sois prudente surtout. Et appelle ce soir, hein, promis. D'accord, au revoir.
curieux, l'histoire de l'hôpital. Hein? Elle n'y est jamais allée. J'ai vu sa mère à l'enterrement. En réalité, c'est la police qui lui a téléphoné dans la nuit pour lui annoncer la mort de Slater. Il a cru qu'elle était à l'hôpital. Qu'est-ce que ça change? Au fait, je me suis réveillée à l'aube et tu étais déjà levée, ça n'allait pas? Exact, je ne tenais plus au lit, je suis venue travailler au projet que je dois réaliser chez les Klein. Une question, pourquoi tu ne me regardes plus? Pardon? Pourquoi tu ne me regardes plus? Je te regarde. Je pense que ça te suffit. Tu es contente? Jerry, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi est-ce que tu changes? Linda, excuse-moi, je suis parfois égoïste. Je t'aime, crois-moi. J'ai si peur de te perdre. Oh, voilà une idée. Qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'inquiète pas, ça ira. Linda, vite, on va rater le ferry. Oh, c'est des billes. On avait dit qu'on irait faire les courses ensemble. Linda. Tu es bien sûre que je peux te laisser seule? Oui. Chérie, je m'occupe de renvoyer les papiers de la maison. Écoute, on en a parlé entre nous. Il existe des lois précises, il faut les respecter. Dans ces petites îles des environs de Goose Bay, il n'y a pas eu d'aménagement du tout depuis un siècle. Raison de plus pour donner ça à un associé à part entière. Ah oui, c'est une idée, bien sûr, mais toi, tu pourras le faire, je te connais. Il y aura des complications, bien sûr, leur procédure est très longue. On n'a pas du tout fini. Oui, je sais, c'est tentant, mais là, j'ai eu une promotion, alors je n'ai pas... Tu veux attendre 6 bonnes années pour avoir une autre promotion? Moi, je dis qu'il n'y a pas hésité une seconde, puisque Wellesley veut te voir tout de suite, fonce! Oui? Oui, monsieur. Tu peux y aller. Ne te laisse pas faire. Voulez-vous un peu de thé? Oui. Oh non, non merci, excusez-moi, je suis déjà assez nerveuse. Alors, votre nouvelle maison, ça prend tournure? Vous voilà insulaire. Oui, monsieur. C'est une vie très différente. Oui, Devlin Island est une île agréable. Et vous le savez, c'est une des îles où nous allons créer une zone nouvelle. Linda, je vais être franc avec vous. La plupart des personnes qui résident dans l'île vivent, vivent repliées sur elles-mêmes. En effet, oui, je sais. Pour l'implantation du projet, ces gens nous donneront du mal, c'est évident. Ça m'étonnerait qu'ils apprécient beaucoup la majoration des charges. Nous représentons pour eux des envahisseurs, j'en suis conscient. Et vous croyez que moi qui y vis, Ah oui, idéal, pour aplanir les difficultés au fur et à mesure, vous nous seriez très précieuses. Oui, je pourrais organiser peut-être des discussions portes ouvertes entre femmes. Ah non, 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 non. Non, à une échelle bien plus grande que ça. Vous ignorez à quel point l'enjeu va être essentiel pour l'essor de notre firme. C'est l'un de nos plus grands projets. J'ai besoin de votre collaboration permanente. Enfin, du moins pour les semaines à venir. Vu les circonstances, vos collègues ne pourront contester que vous soyez, à mes yeux, la plus compétente qui soit pour ce travail. Félicitations. Vous avez sollicité une entrevue? Oh non, je voulais voir Monsieur Holden. Je suis Monsieur Holden. Excusez-moi. C'est moi, Monsieur Holden. Oh, mais non, non, le Monsieur Holden que je voulais voir est un... Enfin, un monsieur d'environ 35 ans, il s'appelle Bob Holden. Mais je suis ici le seul monsieur Holden, mademoiselle, et je me prénomme Tom.
Je suis désolée d'insister, je désire parler à Bob Holden. Oh, d'ailleurs, je dois avoir sa carte dans mon sac. Il est courtier dans l'immobilier et il vient de nous vendre une maison à Devlin Island. Pourtant, je suis réellement le seul monsieur Holden, je vous assure, et notre agence ne fait aucune transaction de propriété à Devlin Island. Il faudrait avoir du temps à perdre, puisqu'il n'y a certainement rien à y vendre depuis 25 ans. C'est ma carte. Tom Holden. Ah oui. J'ai dû faire erreur, en effet. Oh, pardon. Excusez-moi. Jerry? Qu'est-ce qu'il fabrique? Jerry? Salut, ça va? Ta journée s'est bien passée? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai tout à la maison. Des fiches de baseball? Donc, il est grand temps, je pense, de tirer un trait sur le passé et de nous adapter à notre nouvelle vie ici. Oh, tu sais, justement, cette nouvelle vie, moi, j'ai du mal à m'y faire. Viens, j'ai besoin de te parler. Il avait une toute autre tête, 15 ans de plus que l'autre Holden. Comment expliquer tout ça? Il y a pourtant une explication. Quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Un vague parent? Non, non, Jerry. Il n'y a aucune explication. Tiens, une minute. Non. Je me rappelle que ton Holden avait parlé, entre autres choses, d'un poste officiel. Je crois qu'il avait la gestion des entrepôts maritimes. Et d'abord, des Holden, moi, j'en connais. Il a un nom courant, ton bonhomme. Jerry, il me semble que c'est un coup monté contre nous. Oui, parce que c'est trop pour être des coïncidences. Voyons, tout le monde détestait Fufun. Et comme par hasard, Fufun a été tué. Ensuite, Slater, sa mère n'est pas allée à l'hôpital. Bon, il y a un truc qui n'est pas clair, c'est vrai. Sa mère n'est pas allée à l'hôpital et on n'a rien su, d'accord. Mais parler de coups montés, c'est gros. On va repartir, moi j'en ai assez. Écoute, il n'y a qu'à revendre. Il n'est pas question de vendre cette maison. Enfin, j'y ai investi tout ce que je possède, moi. Tu vas te calmer, Lina, je t'en prie, à quoi ça rime? On a traversé une série noire, je comprends, tu es fatigué. Mais tout ça, ça va s'arranger. Sois patient, hein? Calme-toi. Je t'aiderai. On va voir si tu t'y fais d'ici 2 ou 3 semaines, puis sinon, ben, promis juré, on repartira. Pour faire plaisir à Linda. Tu es d'accord? Tu n'auras qu'un mot à dire, rentrons. Et dire qu'on avait cru qu'on pourrait mener une vie idéale. Oh, je sais bien pourquoi tu l'as voulu, pour y fonder une famille nombreuse. Bon, Linda, sois gentille, parlons d'autre chose, c'est pas le moment. Mais tu as toujours voulu fonder une famille, Jerry. Écoute, nous en reparlerons. Le marché est celui-ci. Tu vas faire un effort sérieux. J'en ferai un aussi. Tu es d'accord? Bon. Bonsoir, Edward. Tu devrais être chez toi, voyons, il est tard. Vous êtes triste? J'ai eu une mauvaise journée. Soyez pas triste, ce sera bientôt fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Edward, une minute! Elle était à Slater, cette écharpe! J'ai perdu quelque chose. Ah, mais pas du tout, là. J'ai pas hésité une seconde. C'était tellement drôle. Ah oui, au fond, c'est vrai, c'est facile. Il faut piquer là aussi. Voilà. Autrement dit, je ne suis pas très douée. Vous en voulez encore? Ah oui, c'est une bonne idée. Merci. Merci, jeune fille. Entrez.
à nos maris, étant donné qu'il faut des hommes. Alors, buvons aux hommes. Oh. Ah, lui, il a changé, tu sais. Il laisse pousser sa barbe. Ah oui, oui, ça aussi, mais avant, il ne voulait jamais m'accompagner aux réceptions. Il n'y avait pas moyen. Et regarde-le maintenant. Il est devenu mondain. On ne sera ensemble que quand on se mettra au lit. Et au lit, tout ce qu'il fait, c'est dormir, en somme. À ce point-là? Oui, j'ai une vie qui n'est pas très folichonne ces temps-ci, je t'assure. Depuis la mort de Slater et de Fofoun. Au point, tu vois que si je le connaissais pas comme je le connais, je finirais par croire qu'il doit avoir une liaison qu'il me cache. Et selon toi, ça serait qui? Matty ou Béatrice? Oh non. Il y a des fois où on se dit que c'est pas une sinecure de réussir un couple, et plus encore dans un bled aussi isolé. Au fond, tu sais, Joss aussi est bizarre, et je dis pas ça pour te consoler. Lui aussi? Ah non, autre chose. Enfin, je suis contente de t'avoir ici. Oui, moi aussi, Debbie, je suis contente. Linda, attends, on a peut-être tort de venir fouiner ici. Pourquoi ça? On se croirait dans un musée. Moi, je ne m'y plairais pas. Moi non plus. On exagère un peu quand même. Oh, c'est curieux ce machin, regarde. Mais où est-ce qu'ils ont pu dénicher tous ces trucs? Regarde ça. Oh, c'est magnifique. Disons bizarre. Nicolas et Madeleine Klein, pour leur mariage en ce 7 août 1703. Oh, mais le 7 août, c'est aujourd'hui. Oh, c'est vraiment une coïncidence. Alors cet homme et cette femme auraient 3 siècles, si je compte bien. Debbie, rappelle-toi mes impressions. On a cru que j'avais des fantasmes. La mort de Slater et le vieillard qui ne quitte pas son fauteuil. Finalement, ça expliquerait tout. Que faites-vous ici? Venez, il faut descendre pour rejoindre tout le monde. On admirait toutes les deux cette belle couverture. Avec Debbie, nous avons fait une découverte importante chez les Klein. Écoute, je te préviens, c'est la plus étrange chose que j'ai découverte de ma modeste vie. Et là, je sais pas si tu vas croire un mot de ce que je te dis. Mais je crois que Matty et Nick, en fait, ont plus de 3 siècles. Oh, ça c'est drôle. Oh non, mais je t'assure. Écoute, chérie, comment veux-tu que je croie ça? Attends, on a fait un tas de découvertes. Le coussin brodé à la date d'aujourd'hui, marié le 7 août, et leur nom brodé il y a près de 300 ans, tu vois. Et puis, il y a ça, un flacon de teinture. Il faut une raison particulière pour qu'un homme ait l'idée de se décolorer les cheveux en gris. Il faut qu'il veuille paraître âgé. Oui, Nick joue les vieux. Mais où tu vois gris? Il y a écrit brun. Oh, c'est inouï, ça. Je te jure que c'était gris. Allons, chérie. Et moi, je ne suis pas un fantôme, non? Regarde-moi dans les yeux. Normal. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi juste que tu es sûr que Matty et Nick ont 3 siècles. Oui, j'ai vu les dates. Oui, certaines. Oui, c'est ma conviction. Bonsoir. Bonsoir. Rien de grave, au moins. Eh bien, entendez. Ah non, 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 rien du tout. Voilà, c'est difficile à dire sans avoir l'air un peu dérangé. Qu'est-ce que c'est, Nicky? Oh, c'est Jerry et Linda. Oh, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bonsoir. Voilà, Linda a eu une curieuse idée. Allons, chérie, explique-leur. Ouais, elle a dans l'idée que vous... En quelle année a eu lieu votre mariage? Cela fait 31 ans aujourd'hui. Elle s'est mis en tête que Nicolas et vous aviez 3 siècles, voilà.
Écoutez, j'ai lu les noms et puis la date du mariage sur le coussin brodé. Ah. Non, c'est notre nom, bien sûr. Mon cher enfant, il y a des clangues sur cette île depuis bien plus de 3 siècles. Mais ça... Oh, Nicky, tu as ta carte d'identité? C'est marqué Nicolas Klein, né le... Oh, mais qu'est-ce que ça prouve? Tout le monde peut en acheter une à n'importe quel coin de rue à Boston. Et vous? Mathis, ça correspond à Madeleine, sans doute. Il y a nos prénoms, mais moi, c'est Martha. Tu vois, chérie, je te l'avais dit, il y a toujours une explication à tout. Pardon pour vous avoir dérangé. Pas de problème. Bonne nuit. J'ai cru que je pouvais te faire confiance et tu m'as humiliée devant eux. Linda, c'est ridicule. Maintenant que le projet a presque abouti, allons. J'en ai assez. Ça m'apprendra. Mon imagination me joue peut-être des tours, mais il faut que je rentre. Allô? Bonjour, Linda. Non, je voulais juste vous joindre pour vous dire bravo. Oh, monsieur Wellesley, je suis bien contente de vous entendre. Écoutez, c'est décidé. Ça m'ennuie, mais j'abandonne ce projet. Allons, allons. Pas de défaitisme. C'est une affaire de quelques jours et vous aurez mené à bien cette mission. Seulement, il faut persévérer. Rien de spécial à signaler? Non, rien. Alors, tenez-moi au courant. Bien sûr. Au revoir et bonne journée, Linda. Merci. Arrête, je t'en prie. Béatrice, en quelle année vous êtes-vous mariée? 1933. 1933? Oui, pourquoi? Mais où est passé votre mari? Mon cher mari est décédé. Mais pourquoi pas la question? Et où est-il enterré, Béatrice? Au cimetière, voyons. Tout près de la vieille église. Oh non, c'est faux. Allez voir si ça vous intéresse à ce point. Bonjour, Rachel. Je l'ai appelée comme vous et regardez comment elle est. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ma poupée a une âme damnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'y ont forcé. Qui? Les autres. Je leur ai dit pourtant qu'elle était gentille. Ils n'ont pas voulu me croire. Elle n'a rien fait et c'est elle qu'on punit. Est-ce juste? Mais non, c'est injuste et tu vas leur répéter ce que j'ai dit. Mais d'où vient-elle? Elle a l'air vieille, non? Mon père l'a faite pour moi. Moi, je dis qu'elle a plutôt l'air d'une antiquité. Je parie qu'elle a au moins 200 ans. En fait, tu as quel âge? Quel âge me donnez-vous? Oh, 9 ou 10 ans. Mais je commence à en douter un peu. Vous savez, le monde ne serait pas drôle si on vivait uniquement avec des certitudes. Vous en doutez? Thank you.
J'ai observé la lune, moi. Encore 2 jours. Maximum. Qui êtes-vous? Il faut quitter l'île. Oui, partez. Faites surtout pas confiance aux gens qui sont ici. Ah, je les connais. Ils forment une communauté atroce. Et qui est le meneur? Matty? Votre fils Nicolas? Jerry, tu tombes bien. Tu vas l'entendre toi-même. Oh, répétez-lui, s'il vous plaît. Mais viens, Linda. On n'a rien à faire ici. Non, non, dites-lui. Jerry, c'est à nous qu'ils en veulent. Je ne sais pas ce qu'elle a ces temps-ci, mais excusez-la. Viens, viens, non. On parlera de tout ça chez nous. On n'a pas à venir déranger les gens chez eux au milieu de la nuit. Mais voilà. Pourquoi? Ils ont besoin de quelqu'un de cette lignée. Il faut lui pardonner. Père est très âgé et il déraisonne. Écoute, c'est lui qui ment. Ils veulent quelqu'un de ta lignée. D'accord, Linda, mais on va discuter de ça à la maison. Est-ce que tu es malade? Mais qu'est-ce que tu faisais dans leur maison? Enfin, Jerry, tu as entendu ce qu'il a dit? Oh, mais j'en ai assez, tu deviens cinglé. Tu accuses Nicolas et Matty d'avoir 3 siècles. Ensuite, tu inventes une véritable conspiration. Mais tu es folle. Est-ce que j'ai épousé une folle? On a des gentils voisins, j'ai l'air de quoi, moi? Figure-toi que je m'en moque de leur opinion. Moi, je pense à moi. Et tu ne sais pas tout ce que ce vieillard m'a dit. Mais enfin, il est gâteux, ce vieux. Il ne quitte pas son siège de la journée. Mais c'est parce qu'il est prisonnier. Il n'est pas des leurs, cet homme. Il est le petit-fils de Nicolas et non son père. Écoute-moi, je t'assure, il faut quitter l'île avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas question de rester ici un jour de plus. Il doit y avoir un ferry ce soir, alors nous partons. Je t'en prie, Jerry, pour l'amour de moi. Jerry? Alors, vous deux, ça va? Béatrice aussi en fait partie. Écoute-moi, j'en peux plus. Je vais au lit. Bonsoir. Donnez-moi mon père, parce que j'ai péché.
n'as pas cru un mot de ce que je t'ai dit. Écoute, ça n'est pas là la question, je ne suis pas convaincu. Mais pourquoi est-ce que ça nous empêcherait d'aller passer un week-end dans le Vermont? Tu n'as pas à me parler comme à une malade. Mais ne sois pas stupide, j'essaie de te raisonner. Tu vas écouter ce que je te dis. Laisse tomber. Écoute, il est possible que mon imagination me joue des tours. En attendant, il faut que je quitte cette île, au moins pour quelques jours. Linda. Linda, je t'en prie. Ça va? Oui, oui, ça va, merci. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Ah, oh. Oh, monsieur Wesley, oh, je suis soulagée. Quelle surprise. Écoutez, je dois quitter Devlin Island au plus vite. Est-ce que je peux venir avec vous? Je reste pour passer ici le week-end, j'ai dû vous le dire. J'ai une maison aussi à Devlin Island. Non, ça je l'ignorais. Vous devez connaître mon beau-frère, Nicolas Klein. Ma sœur Mathie m'a dit que vous étiez voisin. Voilà, c'est ça. Tout mortel qui en aura été témoin devrait être sacrifié lors du prochain sabbat. Lequel devrait être organisé à la pleine lune, mais... Il faut que le sacrifice s'accomplisse avant le 12e coup de minuit. Sinon, quel que soit le pacte conclu par la secte avec le diable, il sera rompu. Mon Dieu, c'est... Linda, vous allez bien? Jerry! Jerry! Qu'est-ce qu'il y a encore? Jerry! Jerry! Écoute-moi, Jerry, je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais il faut partir. Il faut que tu viennes immédiatement. C'est une conspiration. Ils ont même détraqué le ferry. Il faut qu'on emmène Joss et Debbie avec nous. Soyez gentille, laissez-nous, Béatrice. C'est pour Linda. Elle avait l'air énervée. J'ai pensé qu'un peu de thé lui ferait du bien. Très bien, Linda. C'était convenu. On va s'en aller si tu veux. Alors, tu me crois? Oh, Jerry, c'est terrible. Et leur bûcher, c'était ça. Et tu sais, ils veulent nous tuer. Ils ont fait un pacte avec le diable. Alors, ils cherchent un... Joss. Oh non, ne me dis pas que c'est Joss. Debbie m'a dit qu'il était devenu bizarre. Et il y a ce vieillard qui... Laisse-moi deux petites minutes, tu veux? Et sois mignonne, calme-toi. Tiens, bois un petit peu de thé. Bon, c'est Nobel. Debbie? Linda? Debbie, ils sortent de l'île immédiatement. C'est Jerry, c'est lui qui vole, c'est lui qui est de leur lignée. Linda? Linda? Pourquoi tu n'es pas venue prendre le bateau? J'étais pas bien, j'avais mal à la gorge. Tu es nerveuse, détends-toi. Écoute, je reconnais que je suis à cran, mais il y a de quoi. Je t'assure.
retourne-toi et sauve-toi. Ça ne sera pas nécessaire, ma chère enfant. Je regrette. Sachez qu'il n'y a aucune fuite possible. Linda, nous étions terriblement inquiets à votre sujet. Mieux vaut ne pas vous débattre. Nous attendons depuis près de 300 ans qu'il nous rejoigne enfin. C'est l'heure. La secte sera au complet. Le vieil homme avait raison. Et vous êtes tous liqués. Avec tout un tas de paperasse à remplir, moi qui ai déjà horreur des déclarations d'impôts. Non, je voulais juste te dire que c'est pas grave. C'est à temps. Faut que je raccroche, Linda. Je te rappelle demain matin. Au revoir. Que vous alliez dormir toute la nuit, après ce que vous avez bu durant cette soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons, vous feriez mieux de vous reposer. Est-ce que vous voulez boire une tasse de thé? Foufoune? Foufoune. 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 Linda, vous êtes en avance? Vous n'étiez pas censée réagir avant une heure au moins? Nous viendrons vous chercher quand nous aurons besoin de vous, Linda. Monsieur Klein, aidez-moi. Linda? Pourquoi avoir tué cet homme? On ne joue plus, l'heure fatidique approche. Et le rituel doit s'accomplir puisque vous êtes l'unique témoin. Vous êtes l'unique témoin. Ce rituel doit maintenant s'accomplir. Allô ?
tout mortel qui en aura été témoin devra être sacrifié lors du prochain sabbat à la pleine lune. Que j'ai demandé. On n'obtient pas toujours ce qu'on a demandé, n'est-ce pas, Linda? Linda? Linda, tu vas bien? Mon Dieu, tu sais, j'étais inquiet pour toi. Surtout, n'approche pas. Qu'est-ce qui arrive? Écoute, il faut vite quitter l'île. Viens, Linda, il faut s'en aller. Tu avais raison, il se passe des choses, ça n'est pas tout à fait clair, cette histoire. Oh, mais si, tu savais tout. Tu es Lucas Nobel, tu fais partie de leur lignée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me reconnais, c'est moi. C'est Jerry. Surtout, n'approche pas. Allons, tu perds la tête. Linda, pose ce couteau, tu veux? Non! Jerry, pas ça. Oh, pas toi, non. Tu n'aurais jamais tué ta femme. Viens maintenant. Tout le monde t'attend. Jerry. Mon nom n'est pas Jerry, non, c'est vrai. C'est Nobel. Lucas Nobel. Alors, il va bientôt être minuit. C'est l'heure. Tu es désormais mon seul lien avec le monde des mortels. Il faut que tu périsses. Non, Jerry, non, pas ça. Non, pas ça, non, ne fais pas ça. Jerry. Non. Ils te tueront avant minuit. Va dans l'église. Ils ont peur d'y entrer. Pour toi, c'est le salut. Prenne avec eux. Je t'emmène avec moi. Fais attention.
Pardonne-moi, je t'en prie. Oh, ne me laisse pas, Jerry. Non, ne me laisse pas. Je t'aime, tu sais. Oh, mon amour. Oh, je t'aime. Je suis libre. Je suis né. Il est presque minuit, il faut le récupérer. On ne peut pas entrer dans l'église. Il faut bien.